Tam, 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 tam. C'est tout ce qu'il est parti, mais du coup vous n'êtes pas obligé de vous entretuer pour rien. Hein. Tellement triste. Il est où le tigre? Il n'y a même pas de tigre. Ah là là, c'est jeune. Même pas capable de marcher droit. Et bonjour à tous, bienvenue sur Bricky Live, le live où on continue nos aventures sur Far Cry 6. Comme vous pouvez le voir, je suis en joie. Comment ça, vous le voyez pas? Ouais, c'est normal. Oh, faut que je trouve un temps. Sérieux? Vous avez vu comme c'est loin? Riche. Riche en... Voilà, 15 secondes de travail. Find out what that was and report back. Should kill the alarm. Shit, a camera.
Non, tellement le vent. C'est bon. Senya, guess what I got? Comment on va y aller? You're a superstar. Bring you home to Mamacita. On my way. Moi je vais dans le bon sens, c'est déjà pas mal. Surtout me connaissant. On se laisse emmerder par des plombs en béton. Je pense qu'on va profiter un petit peu. I'm on my way back with a tank. Eso! I don't want to know what you did to get it. Just bring it to me. You got it. Bon, bien, je comptais pas spécialement te dire ce que j'avais fait pour l'avoir. Thank you.
Je crois qu'ils m'en veulent un peu. J'espère que c'est pas pour le tank. J'ai vraiment pas envie de me fâcher avec eux pour ça. Voilà. Leave it with me. She's gonna be beautiful. No tank. That is a Senya Sayas original. Costume design. One of a kind. All that's left is to christen it with true Yaren blood. Kingdom. That tank is your rush. And Yara is your foundling. Oh putain. Qu'est-ce que tu lui as fait au pauvre truc? Me passer dans la montagne, ça c'est sûr. Désolé, j'ai glissé.
watching Zay's face burn. I feel pretty fucking good. Now we're making noise, baby! Just be from the village. Or express yourself some more. Some great progress. Feels like I might be close to a breakthrough. Shit, guerrilla! I can still hear the boom boom. You not done yet? Nope, having way too much fun. Vision is complete. Fuck, yes! You're an inspiration! I'm gonna beat your face up the side of Anton's tower someday. And you know what? Keep the tank. I'm glad you said that, because I was going to keep it anyway. Good. I'm gonna follow my views to Esperanza. You wanna make a statement? That's where you go. Meet me there sometime, yeah? Hey, salut Aris.
Ah, bien ce truc. Ouais, mais faut bien des ennemis en même temps. Mais franchement, ça serait moins rigolo sans eux. On n'aurait personne pour faire chier. Mon problème, c'est qu'il a pris mon tank par derrière et du coup, j'avais plus aucune maniabilité. Mais bon, j'avais fini ma mission, donc à la limite. Bah c'est Far Cry. Oui, c'est Far Cry. Oh là là. Pourquoi tu veux pas sauter par-dessus ça là? Et qui ton perso préféré? Dans Far Cry? Aucun. Les méchants sont pas charismatiques et les gentils me donnent juste envie de leur taper dessus donc. Et je sais pas pourquoi dans celui-là ils ont carrément oublié de mettre le méchant quoi. Bon, on est en train de faire le tour pour revenir en arrière. J'entends des cloches par là. Au-dessus en plus. Ah non. Bah, Johan est censé être un ancien de la CIA, il est drôle, mais Clara, elle sert à rien. Quoi. Franchement, depuis le début du jeu. Ah, elle a une coupe de cheveux sympa, mais le reste.
Il devait avoir ses bonjours, j'imagine. Sinon, les gens l'auraient pas acheté, mais. Je t'avoue que Far Cry 5 m'avait suffi, j'ai pas fait le New Dawn. Hein. Ah bon, il y a des gens qui aiment, hein. Toujours des gens. Qu'est-ce quand il y a deux? Qu'est-ce que je fous là? Certainement une bonne raison pour laquelle je suis allé là. Manque de bonne raison. Ouais, il y avait déjà ce problème dans Far Cry 5. Le méchant, il est totalement invisible pendant les trois quarts du jeu. Il y a juste quelques cinématiques au milieu pour faire bien. Mais là, le pire, c'est que ces sergents, en fait, ils sont pas là non plus. Dans Far Cry 5, les sergents étaient tout le temps là. Pardon, excuse-moi, j'étais pas devant toi. Airdrops coming in and we want it. Get there. Cojones! Les ils sont 15 pour tuer un gars. Est-ce qu'on peut finir cette putain de discussion? Best way to resupply? Take it from your enemies. There's an airdrop inbound and it's ours if you can get there first. Muchas gracias. Où ça pour ça? C'est pareil, je comprends pas pourquoi ils ont enlevé les armes à main nue. La pelle, c'était super drôle dans le 5. Bon, on réfléchit pas tous pareil, j'imagine qu'ils essayent encore de calibrer les jeux pour faire en sorte que leur système de level marche. Ce qui n'est toujours pas le cas. Hein. En plus, le fait qu'ils essayent de pas forcer les joueurs à suivre une ligne droite, mais leur donner plein de possibilités. Ça fait que tous les morceaux du scénario sont séparés. Du coup, il y avait 5 boss dans Far Cry 5. Ouais, c'est possible. Je me rappelle des 3 sergents. Moi. Bah, il y avait le boss de fin, donc 4. Mais bon, en faisant en sorte en fait que les morceaux soient séparés, bah tu fais que quand t'as libéré la première zone, la troisième zone, bah les gars de la première zone ils existent pas. Du coup en fait t'as pas une vraie impression de progression. En fait les mecs que tu viens de libérer, qui sont censés être tes potes, ils viendront pas t'aider. Ah, c'était bien 4. Après, c'était possible que j'en oubliais. Hein. Far Cry 4, ça compte un peu.
5. Ouh. Il y a un truc là-haut ? Ouais, j'ai pas envie. Chorizo. Bah, il est mignon. Après, les exécutions sont marrantes parce qu'elles sont un peu violentes, mais on en fait vite le tour. Ouais. Alors, faisons un peu d'aide. Alors. Et salut à Lucard. Et Lucard, il arrive et direct, hein. Je perds des images. Toi qui me porte malheur. Après, c'était une bande annonce, hein. Ils allaient pas te dire notre jeu il est pourri. Hein. Restons raisonnables. J'aimerais un jour une boîte de jeux vidéo qui nous dit bon, notre jeu il est pas terrible, mais bon, voilà quoi. Far Cry 7, Far Cry, comme d'hab quoi. Ni plus ni moins. Vous avez aimé le 5? Vous avez aimé le 6? Far Cry 7, c'est le même avec un méchant différent. Et vu qu'on venait de faire tout l'Amérique, et ben on est parti en Afrique. Ah ouais, mais t'es un vrai fanboy en fait, d'accord. Ah non, je pensais que tu déconnais un peu, moi. C'est nouveau. J'ai connu des gens comme ça avant.
T'es pas moi, j'ai pas tiré. Je voulais pas, ma maman l'a dit, il fallait pas. Et après, parce que tirer sur l'ambulance, c'est pas trop mon genre. Le jeu est pas si mal. La preuve, c'est que j'y joue. Ils ont un petit côté défouloir très 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 sympa. Hein. Tous autant qu'ils sont, les Far Cry. Hein. Tu cours, tu flingues des gens, voilà quoi. La roya. Ta ta ta. Ta da 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 da. J'aime bien les armes. Il y a des armes qui sont plutôt sympas. Tu fais un petit arc là pour la chasse, il est très très efficace. Bon, SKS, la KM. Et un petit T9 là. L'histoire est pas mal. Alors après, si t'aimes bien ce genre d'histoire, tu cherches Guerre froide et Amérique latine. Il y en a eu 250. Je veux dire, des histoires où les Américains sont impliqués dans des. Sur des îles du Pacifique. Et même de l'Atlantique d'ailleurs. Tu lis l'histoire de... Ah putain. La Havane. L'histoire de Castro. Clara, I just found a major factory in El Este. I don't know what's happening there, but... The smell is burning my nose hairs. Sounds like one of the government's acid plants. Go from making poison and a convenient place to make outcasts disappear. Danny, see if the soldados are holding any hostages there. Alors ce genre d'ambiance, ça serait plutôt la guerre froide, mais... pas lu ce qu'elle voulait que je fasse, la petite. We got a medic. Ah non, on a plus de medic. D'accord. Avec Jean-Louis, c'est des trucs. Apprenez des trucs. Avec un pass, on ouvre des portes. C'était le cours de Jean-Louis, c'est des trucs.
Il doit être au-dessus. Ça doit être un sniper. Un sniper! Ça fait déjà pas mal de jeux assez différents. Hein. C'est sympa. Life is Strange. Moi je l'ai pas fait, mais je suis pas fan du style visuel. Donc, voilà. Detroit Becoming Human. Hein quoi? Faut que je sois net? D'accord. Resident Evil, j'adore. Même si la licence, selon moi, se dégrade un peu. Et le dernier, Far Cry. Le truc, c'est que je peux pas critiquer Far Cry parce que je les trouve pas si mauvais, les jeux, en fait. Bon, sur du bon stéréotype, quand même, mais... Techniquement, ça reste quand même des bons jeux. Il est où le camion de Bioveda, là? Parce que le seul camion qui est, c'est là, et il n'y a personne dedans. Et merci pour le follow. Faut vraiment que je la réinitialise. T'annonce parce que ça devient un craignos quand même. D'avoir vu un laser. C'est le laser? Dans ton cul. Ah, c'est ce petit côté enfantin que j'aime bien. Bakel qui retourne en enfance quand il tue des gens. This could be useful. What can you tell me? Do you know about the reservoir nearby? The soldados are planning to rename it for Castillo. They've been forcing the supervisor there to store their weapons and supplies for them. You should swing by if you can. I appreciate it.
continuer un peu l'histoire principale. Y'a personne qui a un truc à m'offrir là? J'ai un tout petit peu tué. Cualquier día que yo no me muera, está bien para mí. Pourquoi elle m'était indiquée comme une ennemie? Parce que j'ai tué son petit copain? Faut pas être comme ça. Faut pas s'énerver pour si peu. Pas été mieux d'arracher tout le truc. Enfin, qui suis-je? Ah non, c'est sûr qu'ils sont parades en balle, hein. Avec tout ce que j'utilise, y avait de quoi descendre la moitié de la France. D'ailleurs, c'est là que tu vois que t'es pas en France. En France, les gens se baladent pas avec des balles dans leur poche. Ou alors, je suis pas du bon côté de la France. Bah, bonne journée. Passe un bon dimanche. Ça, c'est déjà 18h. Ah là-bas. Tu veux pas que je rentre par là? Je rentre pas par là. Il y a vraiment des fois ce jeu. Non mais c'est pas un robot orange, donc elle peut pas s'accrocher. Direct, on avait fait la fête, on avait volé cet hôtel. Du coup, je sais pas tout récupérer.
investment. McKay Industries invests 100 million into El Presidente's vision. So we hit McKay? He's the money behind Castillo. No. First we kill Castillo, then McKay won't matter. Yeah, what the fuck do we care about a Yankee in a suit? It's the money. No money, no tanks, no bullets, no soldiers. I got it. Yelena, Honron, Lorenzo, me, and all of La Morale will go after Castillo. Danny, you kill McKay. That doesn't make sense. So, I was getting tired of talking. Rewind! Chaos! Batter up! J'ai une mouche de fou dans mon appart, non ?
Ah oui, bon, ça s'est bien passé avec mes neveux. Je suis pas un monstre, hein, c'est la famille. C'est la famille, Elia, tu vois. On respecte la famille. Ils ont tué le tigré. Mais oh. Non mais ils vont pas venir me sauver. Je suis pas un monstre et je suis capable de ne pas m'occuper d'enfants pendant une journée. Oh si, techniquement d'ailleurs ils sont pas restés une journée, ils sont restés quoi, 7 heures. C'est un cycle lunaire. Non mais ça peut pas être un cycle vicieux. Vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Non, puis de toute façon, je veux pas d'enfant. Hein. Ça en décevra plus d'une. C'est la vie. Time for when I told you so. I came to say goodbye to an old friend. Back in 67, we didn't mourn our dead. Death was glorious. We were stupid. Non, mais ça se reproduit pas si vite que ça. More will die and nobody is safe. Not an old legend. The leader of LSD, or the fist of the revolution. We have to stop Castillo and that Yankee. We? You kids look like you could use a little luck. Sérieux, ils ont tué Yoron ?
need to end that poison production. I don't want to hear a word about how Libertad and Clara fucking Garcia could have helped us. Not that you would, just... Mira, Honron and El Tigre are gone. Let's save our tears for after the war. Compartmentalize. Move on. That Yankee fucker McKay and his business are now our main focus. I need to learn more about his operations so I can plan our attacks. I saw that you took out the signal jammers in La Jolla already. Excelente. I am going to have a fast connection to this paquete. Pop that thing into any computer in McKay's building, and I will have access to his network. We will find that Yankee's weak points and bring him to his fucking knees. Okay. I uploaded a pic of the jammers to your phone. Okay. Ouais, j'ai cassé un brouilleur d'onde. Si vous le dites. Je suis heureux de voir que d'avoir un enfant ça t'a donné comment dire. Non, non, je disais juste que c'était bon de voir que d'avoir un enfant, ça t'a fait montrer le côté positif d'avoir des enfants, quoi. Ça se multiplie pas par comme des petits pains, les enfants, t'es au courant, quand même. Je veux dire, c'est pas des gremlins. C'est pas parce que t'as mis un peu d'eau dessus que voilà, quoi. T'es en pleine dépression, demande à Chichi 2-3 jours et passe à la maison. Je t'accueille, on boit des bières. Il faut que j'aille travailler aussi. Tu pourras dormir pendant la journée. Je te garderai à mes côtés, comme un bébé. Je te mènerai des bières à téter. Et pas plus de 4 par jour, hein. Mon plan machiavélique a pas marché. Anus pour Anus. Benito, you can always use the help.
récupérer un poulet. De bruit. D'accord. C'est ça les brouilles. No, I was calling to let you know you don't have to call me every time. Smart. So how do you know so much about this ship? Seems pretty advanced. Funny story. I helped set it up. Your. Remember when Casio started? He made all those big promises. I've never been one for politics. I didn't vote for him, but he promised to get Eleste connected to not just the rest of Yara. The world. When he won, he drafted any computer geek he could find to get Eleste online. This story is not going to end well. Didn't take long to figure out Castillo was using us to set up a network to spy on people. A bunch of us tried to sabotage it, but the regime figured out fast we weren't on Team Castillo. So, are we being spied on now? No. We found workarounds. Share them with Libertad as well. See? We can be friends. I'll call you when we're good. Chorizo! Dale, chorizo! Thank you.
Better watch my step. Bienvenidos. Il doit y en avoir par là. Possible que j'ai vexé à Lucas. Peut-être. Ouais, je m'excuserai un autre jour. Non, il sait très bien que je suis con. Pourquoi ? Parce que tu parles plus ? J'ai cru que je t'avais vexé ! Comme le canard ! Le canard vexé ! Il était devenu tout bleu ! De toi. Chichi te force. Si elle te force, fais un smiley. Je viendrai te récupérer.
Chorizo! Chorizo, let's go! Come on, Chorizo! Let's go, Chorizo! Ouais, mais voilà, après tu vas avoir envie de me spoiler, ça va m'énerver, Lucarne. Tu vois, tu fais tout pour m'embêter. Fonce tout droit, tête baissée. Je suis très déçu par votre comportement, monsieur. Ta 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 ta
Guerrillas could use some backup. Exactement le même aéroport que celui qu'on a détruit pour le boss de la première zone. Corrido. Ouais, je vois bien l'arme qui est faite dedans. Vaya con Dios. J'aime bien ce nom. Vaya con Dios. C'est vraiment un idios. Vaya con Dios. C'est moi ou le jeu a bugué quand même? Un petit peu hein.
Ouais, parce que moi, tu sais, avec un Opinel et un chalumeau, je fais tout. Tout ça pour qu'ils détruisent le camion, cette bande de couillons. Castillo. Better watch myself here. C'est pas moi. Chorizo. Thank you.
un spot de pêche. Le poisson chat, on l'a déjà fait ça. Pas besoin de s'énerver plus. Ta 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 la ta 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 la. Ta 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 la ta 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 la. Du bateau. Dum 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 dum. La barrière.
coupé par des piranhas. Attaquons un convoi avec un jet ski. Allez, c'est parti. On fait ça et j'arrête pour aujourd'hui. Touloulou, 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 touloulou. Petit convoi tranquille. Deux heures. Je vais aller me faire un peu de purée avec du poulet et je mettrai du jus dans un puits comme quand j'étais petit.
Histoire de ne pas décevoir Alucard, on va aller défoncer le canon anti-aérien. Parce que je veux pas que Alucard me dise « Ouais, mais tu fais pas d'efforts, Baka. J'aurais pu casser un dernier truc. » J'y vais. En jet ski. Il y a un air mexicain dans les oreilles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en vacances quand vous entendez ça? Je me suis garé pile au bord. Comme ça qu'on reconnaît un vrai. Et parce qu'on n'aime pas la facilité sur le back-end live, on fera tout à l'arc. La facilité, c'est pour les autres. Un petit peu de plutonium dans ma poche. Pour les... Pour le cas où je me sentirais fatigué. Danny, got the prime target for you. Marking an anti-aircraft site on your map. Take it out. Hey, thanks.
Hola. So much money flows through this one place. Pas de bruit. Oui, si. Porte la loya. C'était Pelicanos. J'avais pas dit qu'on arrêtait là. Si. Non. J'ai tellement pas envie d'aller faire la vaisselle. Que je serais capable de pas les manger pour pas avoir l'affaire. Allez, on va arrêter les conneries. Oh God.
him, Chorizo. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Moi, bon, je vais aller faire la vaisselle. Après, je regarderai ma figurine d'Asuka pendant des heures. Merci, bon appât à vous aussi. You got it. You got it. You got it.